À cette là, ouais. Bon, aujourd'hui, on va parler sur le... on va parler de d'ordre des instructions. Donc, d'abord, voilà, pour introduire sur l'ordre des instructions, on va faire un truc sur ça, je ne sais pas. Donc, chaque matin, on va faire une recette. Bon, ici sont les notes, juste pour ne pas se perdre. Bon, à chaque fois, je la recette est la recette la plus simple. À une soupe, c'est mille. Donc, la première étape de la chute, c'est la couleur de la noire. Assiste tasse. Voilà. Donc la première étape de la chose, c'est allumer le feu. La deuxième étape. La deuxième étape, c'est voilà une poêle bête la troisième étape reste six quatrième étape de chute. Elle est sur la glace. Ah, 5 000 lettres. Il reste que maintenant. Ah, mais c'est des frères. Voilà. Donc, allumez le feu. Allumez le feu. Trouvez le maqla. S6. Ça, je vais couler la fromage, je vais
26. Après, elle souffle de mousse. Et attendre 60 secondes. Donc on va attendre 60 secondes. Arsenal d'avoir 26. Donc un Arsenal, c'est un Arsenal. D'avoir 26. Ah, j'ai 3 minutes. Donc on va attendre 3 minutes. Bon, j'ai tapé une 5, ça 1, 2, 3, donc 8, 8 étapes. Sur les amants. Parce que le point est noir. Le point est noir, c'est la plante. Donc, il fallait faire un noir. On a dit qu'on va allumer le feu et d'un trim mokna, SNR 6. Ça va par exemple être un trim mokna, SNR 6. Ok. Donc on va allumer le feu. Zumer. On le faisait, ce n'est que des étapes. D'un trim mokna, SNR 6. Après, on va allumer le feu. Après, c'est qui ça va me planer sur le plutôt ça va me planer sur le plus. Je crois que ma brise est à pas guinéen. Donc, il y a l'étape à guinée. Allumer le feu pour que ce n'est pas dit, on peut le permettre. Et là, parce que c'est la logique. On va trouver une bonne histoire. Si c'est pas de charité, mais c'est de ça souffle là. Non. À de charité, mais c'est pas de trouver une bonne histoire. Si ça souffle là. Voilà. Ok. C'est vrai. Donc, donc, on est seul à attendre 60 secondes de guerre. Ce n'est pour que vous êtes soufflé tous. Donc, on allume le feu, on va attendre 60 secondes, après, elle est soufflé tous. Je vais prendre la mienne. Je vais prendre la mienne. C'est 10. À part d'avoir 60 secondes, pas de faire souffler le feu. Ça fait pas le même effet parce que nous connaissons 60 secondes et guillemets de nouveau. Pas de guillemets de nouveau. On voit, on a plus 60 secondes de panier de flemme là. Donc, des guillemets, l'ordre à guillemets, et ça, maintenant. Voilà. Donc, il a rien à l'ouvrir. Il m'a rien à souffler de plus. Après, on va attendre 60 secondes. Et là, parce qu'il veut nous voir, on va te mousser. Donc, là, on s'est gâté à l'ouvrir. D'accord? C'est quoi de oui. C'est la même chose que d'avoir ça à 3 minutes à Guinée. Pour que vous, ça n'a pas de sens. Alors, le code 3, qui c'est d'être au groupe 6 à Guinée, c'est l'heure de Guinée, juste qu'il n'y a pas de l'assemblée de tenir. À partir de ça, c'est le groupe 6 à Guinée. Ça ne marche pas. Parce que tu dois être oui. D'accord? Donc, si on parle, c'est-à-dire que si on dit que un programme des choses, un programme c'est un ensemble d'étapes ordonnées, je pense que c'est un ordre. C'est la question, comment je vais faire l'ordre entre les instructions, comment je vais ordonner les instructions, c'est par rapport à la logique. Donc, la recette est guidée de l'omelette, avec Dini, Bélique, de la logique, avec Raven, les étapes. De la recette mi. Vous mettez pas par exemple, il faut dans le récipient, pas de la recette mi. Ok. Vous mettez pas de la recette mi, pas de trouver un récipient. Parce que c'est mi, c'est dans le cas. Voilà. Donc,
L'ordre des instructions, la réponse à la question sur l'ordre des instructions, l'ordre des instructions est déterminé par la logique. Voilà, il y a des instructions. Okay. Instruction 1, instruction 2. Genre là, d'ailleurs, instruction 1, pas instruction 2, instruction 2, pas instruction 1. Oui, là, où le chevron, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un effet. Je vois la maquette de l'idée de 2013, mais elle n'existe pas, j'ai arrêté, mais c'est une cesse, sauf là, tout ça. Mais je vais le compter, mais c'est pas le cas de l'année, ce n'existe pas, une cesse, sauf là. Donc, la guinée, c'est pas, genre, l'ordre n'est pas important. Il y a les deux étapes qui se mettent, remonter les théories de reconnaître, si ce n'est pas le contraire. Ok? Donc, c'est ça l'ordre, on doit suivre notre logique. Voilà un iso. Comment on va résoudre, c'est-à-dire comment on va écrire un programme? Donc, là, une fois, vous avez l'ordre des instructions, c'est la logique qui le détermine. Là, au fur et à mesure, on va donner des exemples pour voir la logique. Donc, avant tout, bah, chaque note fait juste un récapitulatif sur un langage de programmation. Mais, donc, il y a guéri parce qu'il y a un problème. Supposons du moment que tu as déjà parlé en mathématiques, normalement, tu sais résoudre une équation de second degré. Voilà. Donc, si on te demande de résoudre une équation de second degré, ax carré plus bx plus y égale 0, c'est que c'est une équation, il dit, tu vas la résoudre, je vais calculer le delta, par là, ça vaut le delta, x, ok, à faire les solutions. C'est ça. Mais le fait qu'il dit, écrire un programme qui permet de résoudre une équation de second degré, c'est bloqué. Et là, parce que, à tout à l'heure, que c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi c'est quelque chose de très difficile? Parce que nous, on va résoudre une équation, ce langage mathématique, c'est calculé. Maintenant, par exemple, le Pascal et l'algorithme, ce sont des langages généraux. Le Pascal, c'est un langage de programmation. Donc, chaque fois que vous programmez avec un langage de programmation, il reste à le moindre la syntaxe du langage généraux. Voilà, tout langage de programmation, les choses qu'il apprend tellement 10. Des choses qu'il apprend généralement, et aucune chose extrêmement de langage. C'est juste le langage de programmation, c'est juste une façon d'exprimer, de rédiger ça. Genre, le code, c'est une rédaction d'une solution en utilisant un langage de programmation. Donc, normalement, le langage de programmation n'est pas censé nous bloquer, au contraire. Quand on va apprendre le langage à guinéen, si c'est un ismail de 9 les solutions. Ok. Donc, on va commencer par le premier but. Le premier but, c'est le dans un langage de programmation, c'est la communication. La communication, c'est-à-dire des entrées et sorties. Communiquer, c'est-à-dire l'entrée-sortie, c'est quoi? C'est que le programme, en utilisant le programme, on peut au minimum, c'est-à-dire la première des choses, on va afficher un message. Par exemple, si vous voyez quand vous utilisez des applications, le web par exemple sur Internet, si vous utilisez des applications, soit les maquettes des pages. Les pages n'y des interfaces. Nous connaissons l'interface Nardeschutz, l'IDE1 Pascal, de la console. C'est la fenêtre noire. Donc, c'est qui? C'est notre interface. Donc, c'est l'interface. C'est l'interface de l'utilisateur. Donc, la première communication, c'est l'affichage. Donc, on va pouvoir, et là, le programme va pouvoir nous afficher un message. Par exemple, bonjour. La console a d'afficher bonjour. Ok, c'est qu'il y a une sortie. Ok, une sortie parce que c'est le programme qui va l'afficher. Ok, regardez, c'est le programme. Regardez, c'est l'interface utilisateur. La console. Ok, donc, c'est le programme bonjour. Là, dans l'entrée. Parce qu'en réalité, même sur la communication, notre communiqué, regarde live.
Alors, le principe de communication sert l'émetteur, sert le récepteur, sert la langue, là, le message, là, avec une langue. Okay. Donc, l'émetteur, bonjour, c'est le programme. Le récepteur, c'est l'interface utilisateur. D'accord? On va d'après, mais il a une communication bidirectionnelle. L'éthique des fois, l'émetteur, il est l'utilisateur. Donc, mais il est l'émetteur du programme, le récepteur de l'utilisateur. C'est guide, donc, Ranas, une sortie. Ok, right lane. Right now, right lane. Mais il est l'utilisateur, en titre l'émetteur, le programme, le récepteur. Ranas, entrée. C'est une entrée. D'accord? Une entrée, donc, ready line. C'est-à-dire que le programme, il va lire ce que l'utilisateur va écrire. Donc, la première étape, c'est de communiquer, c'est-à-dire que d'afficher un message, une valeur d'une variable, la sortie. L'entrée, c'est que je vais récupérer un texte, une valeur qui peut être un chiffre, qui peut être un texte, qui peut être un caractère que l'utilisateur va saisir. Donc, c'est la première forme de communication et c'est la première étape dans un langage de programmation. Ok. Donc, entrée de lecture, sortie d'écriture. Donc, c'est read line, now read, ou write line. On va d'abord les définir. Je vais définir une fois que j'ai dessiné dans un langage de programmation, des traitements, faire des traitements sur les entrées, y compris les calculs, le calcul. D'accord? Donc, c'est un conjugué. Les opérateurs arithmétiques. Donc, il a un rythme, par exemple, le signe utilisateur. Tu vois, une entrée, readline, par exemple. Readline, utilisateur, une valeur, le programme est tiré vers le X. D'accord? Par exemple, l'utilisateur, qui maintenant exécuté de la console, il qu'un curseur à quel, je vais écrire 5. D'accord? 5 et guinée. Je vais faire un traitement. Par exemple, on se remarque 5 fois 2. Oui, c'est un traitement. Je vais sauvegarder dans x. X, c'est vraiment l'équipe du manque de x de guinée. Autrement, x fois 2. X reçoit x fois 2. Donc, il y aura le x 10. Après, je vais l'afficher. Donc, vous voyez, j'ai fait un traitement sur l'entrée. Par exemple, il dit que l'utilisateur. C'est-à-dire, tout ce que l'utilisateur va me donner, ce que l'utilisateur va me donner, c'est un traitement. Donc, si j'arrive à faire un traitement sur une sortie, sur une entrée, c'est-à-dire, c'est comme si Nikini qui l'a déclaré, c'est comme si qui déclarait x égale 5. C'est-à-dire, quand je récupère ma readline x, l'utilisateur va saisir une valeur. On va dire x égale, c'est le traitement ni l'ensemble. Donc, c'est comme si c'est le programme qu'il a initialisé. Par exemple, si l'utilisateur va écrire 5, c'est comme si x reçoit 5. D'accord? Donc, la prochaine étape, c'est faire des traitements sur des entrées. Et guide en éthique, prévoir des traitements différents pour des situations différentes. Comparer et prendre des décisions. De chez Manus Dagini, c'est que Nikini Zora ouvrir un programme d'affichage service si je prends T comme une température, la scénario utilisateur qui est de la température, normalement il guide, par exemple, température 25, la scénario température ambiante, okay. Mais qui est supérieur à 25, la scénario il fait chaud, mais qui est mermaid supérieur par exemple à 12 degrés, la scénario il fait froid. D'accord. Au guide la chose, ce sont des tests et des traitements différents. Rata mail a égal à 25, je vais afficher un message. Au guide traitement 1, message température ambiante. Le guide supérieur à 25, c'est trop chaud. Le guide donc c'est un traitement, notre traitement. Au guide en effet, il fait froid et guigné quand la température est inférieure à 12. Ok, c'est un troisième traitement.
Donc, Nagini, pour que je puisse m'équiper des traitements différents pour des situations différentes, je dois utiliser quoi? Je dois utiliser les structures conditionnelles. Parce que Nagini, je dois comparer et prendre la décision. Ça veut dire quoi? Prendre la décision. Le programme Nagini, il est capable de prendre une décision. Parce qu'à une température, il décide quel traitement il va appliquer. Est-ce qu'il dit il y a ambiante, non, il fait chaud, non, il fait froid. D'accord? Donc, regarde, en utilisant les structures conditionnelles, donc serve if else, c'est guiné simple, serve plutôt if then, if condition then, c'est structure conditionnelle simple, qui n'est composée. Donc, ça, le else, et multiple, c'est le case of. D'accord? Sur les darons, après avoir su comment le programme, c'est-à-dire comment le langage de programmation, il fait la différence, plutôt il traite différents, c'est-à-dire pour différents cas, il suggère de différents traitements. Dans l'éthique, il sert, dans l'éthique, le souci, mais il est par exemple un traitement, on va faire un certain nombre de fois. On va dire le nombre de fois et qu'il soit l'utilisateur qui va décider, non, c'est le programme, il accepte le programme, le chiffre. Par exemple, les qui permet de saisir 10 notes. Donc, nous avons appelé que nous connaissons à changer de valeur que l'utilisateur va saisir. Mais le programme ne s'arrête que si l'utilisateur veut s'arrêter. Donc, c'est à l'utilisateur de prendre la décision. Mais si toujours c'est un traitement répété, donc il a un signe, le langage Pascal, pour répéter. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y aura les boucles. Nous avons la boucle. La boucle pour, la boucle for, la boucle while et la boucle repeat. Voilà. C'est les boucles again, on les utilise pour modéliser un traitement de la réalité, c'est-à-dire une situation de la réalité, un des sahawadun, les sahawadun, le même traitement. Par exemple, les punitions des ignes, signer l'enseignant. Et l'élève a signé X vide, X vide, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, X vide 50 fois. Ok. Donc, nous sommes dans un programme, mais vous regardez d'afficher, je vous demande pardon 50 fois. Remarquez, il y a beaucoup de fois, de 1 jusqu'à 50. Je vais write les. Je vous demande pardon, c'est-à-dire l'instruction, je vous demande pardon. Atidawadar, 50 fois. Et voilà, c'est-à-dire la répétition est gagnée, la façon d'utiliser les boucles ne s'applique pas uniquement sur une seule instruction. Sur tout un code et ça, un seul traitement, le traitement fera tout le code à dans une boucle, elle accepte un chiffre, c'est-à-dire elle accepte le cas. Est-ce que vous allez racheter? Est-ce que vous allez racheter mes arrières? Au minimum, avec le traitement une fois. Au minimum une fois. D'accord? Donc, je vais apprendre avec les boucles, je vais apprendre comment répéter des traitements avec le langage Pascal. C'est compté parce qu'à chaque fois que le traitement se répète, des fois, il a parmi les objectifs de la répétition de traitement nécessaire. Compter le nombre de fois de certaines choses. Par exemple, là, il calcule l'occurrence d'un nombre dans un vecteur. Donc, vous voyez, c'est un compteur qui va calculer. Donc, si on y a il fait le compte. Chaque fois que devient le hadjanir, plus 1, plus 1, plus 1. D'accord? Après, dans l'éthique, l'objectif numéro, c'est l'utilisation de structures adéquates pour sauvegarder des données. À utiliser et à manipuler ultérieurement dans le programme ou dans d'autres programmes. C'est une connaissance. Une sacrée pour l'instant, le premier semestre. C'est-à-dire que Nikki met sur plusieurs valeurs. Rire à faire une sauvegarde. Parce que dans tous les cas, mettre dans var x, par exemple de type entier, integer, pardon, de Pascal, integer, donc, sert déjà une valeur, plutôt une variable x, où est-ce que je peux sauvegarder une valeur? Donc, je peux sauvegarder une seule valeur, je peux l'afficher ultérieurement. D'accord? Mais c'est une qui me sert plusieurs valeurs que je veux sauvegarder. Donc, la sauvegarde de Gilsa, elle mène.
On sauvegarde pour pouvoir y utiliser après. C'est-à-dire, par exemple, un livraire cette note à 6h. Cette note, l'utilisateur n'a pas fini d'afficher. Je dois utiliser une structure qui va faire la sauvegarde. Mais il a par exemple vrai calculer la moyenne des notes. D'afficher les notes mais que j'ai saisies. C'est pas la peine d'utiliser une structure parce qu'à chaque fois que l'utilisateur décide la note, on se redemande la somme vraie. D'accord? Donc l'objectif d'utiliser des structures, c'est de sauvegarder pour une ultérieure utilisation. Donc la guinkine, j'ai signalé qu'elle. Le fait que ultérieurement dans le programme, c'est-à-dire dans le même programme, dans le même programme, dans d'autres programmes, c'est la partie de S2, c'est-à-dire par exemple pour les fichiers, je peux sauvegarder un truc dans le fichier, en bas, je peux écrire un autre programme qui va aller chez le fichier, manipuler le fichier, d'accord? Et pour l'instant, le connaître, alors qu'il y a de la mémoire RAM, c'est-à-dire que quand on utilise des structures comme les matrices ou les vecteurs, dans le programme lesquels, on va remplir la structure en ligne, on va l'utiliser dans le programme. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, on ne peut pas déclarer une matrice et la remplir dans un programme X et l'utiliser dans d'autres programmes sans utiliser d'autres structures de sauvegarde comme les fichiers. D'accord? Donc, le wiggly. À chaque fois que vous apprenez un langage de programmation, il y a quand même les étapes à gagner. Donc, mystérieusement, les étapes à gagner. Attention, le problème, par exemple, vous avez gagné, résoudre une équation de second degré, d'acheter une équation de second degré, la nette ax au carré plus bx plus y égale 0. Donc, c'est une connerie. Et je suis une menace. Quand on fait les mathématiques, on cherche des solutions. C'est-à-dire, on cherche le x ni. Donc, le a égale le b égale y, ce sont des valeurs données. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on donne le a, le b égale le y, on calcule le delta, on va trouver des solutions ni. N'est-ce pas? Donc, cela, une fois, on connaît le langage de programmation, un chiffre. Une fois qu'on connaît le langage de programmation, on va passer à une étape. L'étape la chaude, c'est que on va lire l'énoncé. D'accord? Après, on va parler en détail les énoncés. On va lire l'énoncé. Donc, c'est qu'on connaît l'énoncé. Dans ce cas-là, par exemple, de l'équation, résoudre une équation de second degré. Donc, ça finit par d'acheter un problème, nous aura donné aussi une solution. On va faire le boîtier. Le boîtier est la chose. C'est dans tout système qu'un problème peut se faire de cette façon. Serve une entrée, non, une ou plusieurs entrées, serve une sortie. Vous voyez le programme là, et ça a des entrées, ça a des sorties, à l'intérieur, ça a le traitement. Ok. Donc, le connaissons là, si on va appliquer ça dans. Pour rapport à la résolution de l'équation, A9Q. Je donne A9Q A, B au code Y, R10Q, la solution, les solutions ni X. D'ici, c'est la partie traitement. La partie de traitement par rapport aux mathématiques, c'est quoi? C'est de calculer le delta. Puis, les solutions ni. Ça, là, c'est le delta ni. À la forme de solutionner. Donc, ça, on connaît le langage, on connaît les objectifs, tout ce qu'il faut savoir dans un langage de programmation. C'est des entrées. Le détail, ça serait bien sûr une variable qui va sauvegarder. Donc, c'est la même chose. L'objectif, c'est récupérer, faire un traitement sur une entrée. Donc, le delta yagi, donc c'est A, B, Y, je vais faire un traitement sur les entrées yagi, c'est-à-dire je vais calculer le delta yagi qui va utiliser les entrées yagi, à des calculs delta. On va d'après, je vais utiliser les structures conditionnelles pour faire le test f delta, est-ce que supérieur à 0, est-ce que inférieur à 0. D'accord? Après, je vais afficher, je vais faire une sortie, je vais afficher les solutions à la serve. Le delta n'est donc, j'ai fait des traitements différents pour des situations différentes. D'accord? Donc, cela, on va voir
Voilà. Donc, Dagini, après avoir dessiné le truc Yagini, après avoir dessiné le boîtier Yagi, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on a Dagini, programme. Je mets ordre par rapport aux ordres des instructions parce que c'est le thème de la boucle, plutôt la vidéo. Donc, le coup, la première étape, c'est de dessiner le boîtier. Bah, chaque nom va chercher une rouette. Donc, l'entraîneur va chercher la guerre. On sert le A, le B, le C, ou le Y. Ok. A, le B, ou le C. Parce que la guerre. AX au carré plus BX plus C. Non, Y, qui est en semaine. On va d'après la guerre, la sortie, c'est le X. Donc, le coup, la chaîne, on les programmes là, ça a des entraîneurs ou des sorties là, du moins que ce sont des variables, donc on va les déclarer. Variables A, B par exemple, C, le type intégral. Voilà. La sortie là, on va maintenant voir X qui est de type réel. On va d'après la guinée, l'étape, la deuxième étape. La deuxième étape de shoot, c'est écrire des étapes en pseudocode. Écrire des étapes en pseudocode, c'est-à-dire, je vais écrire des commentaires. Pseudocode, c'est-à-dire, je vais écrire des commentaires pour décrire les étapes. Donc, la première étape de shoot, c'est calculer les deltas. Après, c'est quoi? C'est tester le delta. Normalement, c'est la guinée. On va faire les étapes ni. Donc, un troisième c delta supérieur à 0. Donc, ni est chaud. Donc, ni est chaud la solution. La guinée c delta supérieur à 0. Donc, on va faire ce qu'il faut. On va d'abord, sinon, donc des primes le dernier cas. Des primes le dernier cas. Des neuf. Ok. Donc, on va d'après, après avoir écrit ça, ou la guinée se met dans le rôle d'ordre des instructions. La guinée, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, c'est la logique. C'est en général, on va tester la delta et la guinée. D'ailleurs, dès que je dois déclarer une variable semaine delta, je peux pas. On va faire une erreur, on va tester un delta tant que je n'ai pas calculé le delta again. Ok. Donc, à chaque fois pour chaque étape, je dois afficher le résultat, etc. On va d'après, c'est l'étape ni. Après, on a commencé le boîtier ni. L'étape qui c'est écrire un pseudo-code. On va d'après l'étape dire nous, c'est coder la première version. Coder la première version, c'est-à-dire je vais transformer ça en calcul. Je vais faire Zama, delta n, c'est racine carrée, je ne me rappelle pas, mais je vais calculer. Le calcul n'est delta, en soi, je pense c'est la fonction SQRT, c'est la racine carrée. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas comment on calcule delta. Bon, l'essentiel, la guinée, tu vas faire. C'est-à-dire tu vas traduire chaque étape de la guinée à une instruction. On va une fois vraiment la première version, toujours autrement, les tests, les cas particuliers, c'est-à-dire que la guinée, les cas particuliers, là par exemple, le connaître, il est A égal à 0. Mais il est A égal à 0, enfin, c'est une équation de premier degré. Ok. Donc, il mène la solution. C'est-à-dire, c'est le la solution qu'on va traduire, les étapes à gagner. On bat, donc c'est ça, une première version du programme. On bat de la deuxième version pour faire la deuxième version. On va faire les cas mini, c'est-à-dire, on va faire les cas particuliers. Le cas particulier là, dans ce cas, c'est que le A est égal à 0. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait les étapes d'un programme. C'est-à-dire, de cette façon, Ardvenant, les étapes, à l'ordre des instructions. C'est-à-dire, à plusieurs étapes, c'est pour ça que je ne vais pas faire des exercices directement comme ça. D'accord?
Je veux juste expliquer comment déterminer les étapes, là, comment arriver de l'énoncé à la solution. Cela, par exemple, cela des choses, parce que des fois, la question est sur l'ordre des instructions. Ce n'est pas une question bête, c'est une question importante. Parce que quand on parle de la résolution de l'équation de second degré, pourquoi j'ai donné l'exemple ici? Parce que ce sera le même les maths, donc ce sera même à la dernière. Donc, les programmes, sera monté déjà en mathématiques, donc tu sais comment le faire. Donc, les étapes que un programme, un énoncé, l'énoncé, c'est là où les étapes ou les choses, mais c'est à toi de deviner tellement c'est logique, c'est très simple. D'accord? Il est dans le cas où est-ce qu'on te demande, l'énoncé, des étapes de A jusqu'à Z. Okay, on est assez bien, tu vas suivre donc, les étapes nées. Mais bien sûr, là, tu dois comprendre les énoncés nés. Après, il est dans ici un énoncé, et ça y est, les détails, ça y est, les étapes, mais les étapes nées, genre, c'est une situation qui t'est familière. D'accord? Donc, maintenant, vous avez la somme, par exemple, la somme est d'une écrire un programme qui calcule la somme de deux nombres. Et tu sais, Belikem, qui calcule la somme de deux nombres, on le sait tous, c'est quand même résoudre une équation. C'est-à-dire, par exemple, en maths, donc la somme, c'est x plus y. Après, oui, qui, par exemple, afficher l'âge et le nom de l'utilisateur. Afficher l'âge et le nom de l'utilisateur. Donc, comme ça, t'affiches l'âge ou le nom de l'utilisateur, mais le scénario, l'âge, il est le nom, il est donc. Tu dois passer par une étape pour se demander à l'utilisateur là j'ai une seconde le minus. Après il dit que pas assez d'afficher. Okay. C'est ça, c'est dans le programme. Il a est une étape. Je ne vais pas brûler l'étape ni où est-ce que le programme lui demande l'âge et le nom pour qu'il puisse l'afficher. Okay. Donc même si c'est l'énoncé des lettres, l'énoncé, c'est comme ça que ça va se passer. Bah, d'après, il a gagné écrire un programme qui détermine le signe d'un nombre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est supérieur à 0, non, inférieur à 0, non, égal à 0. Ou qu'il en est fixe, c'est comme les mathématiques, tu vas juste faire le test si x est supérieur à 0, alors d'un positif, s'il est inférieur à 0, négatif, sinon, il est nul. D'accord? Bah, d'après, c'est a gagné écrire un programme qui interroge l'utilisateur sur son âge, puis lui informe s'il peut visualiser un contenu web ou pas. Au guidance, tu vas te baser sur ta petite information que le contenu web, généralement, il est destiné. Il y a certains, genre, quand on applique des restrictions, bon, ça dépend. Okay. On va se contenter d'un seul type de restriction. Parce qu'il y a des restrictions sur un contenu web pour les mails, par exemple, sont des films d'horreur et tout. Des choses qui vont faire peur aux enfants, non, je sais pas qui, autrement moins de 10 ans. D'après moi, il y a des choses, je sais pas, des trucs pour adultes, donc autrement 18 ans, je crois, c'est-à-dire supérieur à 18 ans. C'est nous bienvenue dans cette page web, sinon, c'est voilà. Tu es interdit d'entrer dans. Tu ne peux pas accéder à ce contenu. Wagi, donc ça fait. Ouais, je vais avec une petite information par rapport à l'âge. D'après, il y a Wagi calcul de la moyenne d'un étudiant dans l'unité fondamentale. Wagi calcule la moyenne d'un étudiant dans l'unité fondamentale. Wagi aussi, c'est un exercice qui était familier, c'est-à-dire en tant qu'étudiant, sur l'unité fondamentale. Donc. Soit tu commences à te poser des questions. Car, donc, quand on a des étapes comme ça, par exemple la somme, la fiche d'âge de Guinée, ça va être à peu près la chose les étapes à fond. Donc, maintenant, tu te poses la vraie question sur l'ordre à venir. Quand tu as des exercices de cette façon, c'est d'envoyer ces heures obliques, un petit calcul, la moyenne d'un étudiant
d'étudiants dans ta propre unité fondamentale, c'est-à-dire dans ton programme. C'est une unité fondamentale, par exemple, algèbre, analyse ou cause algorithmique. L'unité fondamentale, il y a un petit calcul, un petit tout. Donc, c'est qu'il je pense que ça n'est pas directement dans le programme. Il faut structurer ces idées et qu'il y a vraiment le programme. Bon, bah, d'après la Guinée, on va faire un exercice, c'est-à-dire on va juste des étapes. Comment on calcule des tips? Par exemple, la Guinée, c'est un peu, il n'était pas familier, mais si tu fais des petites recherches, tu vas trouver la mèche. Les calculs de tips, la chose, c'est les pourboires. Les pourboires, c'est un sort d'affaires. Bon, tu es dans un resto, okay? Tout endroit, quelqu'un te rend service. Et te rend service à très centre, mais la personne qui va te rendre en personne service, elle reste pour boire. Okay? Donc, généralement, l'exemple qu'on donne le plus fréquent, c'est un restaurant. C'est-à-dire, le serveur vient et il se dit tips. Tips, c'est un mot en anglais. Ça veut dire pour boire. Donc, par exemple, il y a un repas nier, 30 000 dinars. Le serveur n'est que, par exemple, 200 dinars. Donc, pour boire, c'est 200 dinars. D'accord? Donc, Wiggy, dans le calcul de type Séguinir, tu dois te poser des questions pour comprendre plus. D'accord? Donc, on récapitule. C'est toujours quand on décide sur l'ordre des instructions, on suit sa logique. D'accord? Il y a plusieurs types d'exercices. Il y a un exercice qui n'a pas de corps, c'est-à-dire qui n'est pas un énoncé riche, c'est-à-dire avec des étapes et tout. Donc, un énoncé qui n'a pas beaucoup d'étapes, il peut s'agir d'une situation problème. Une situation problème, c'est-à-dire on te donne la question et c'est à toi de chercher, de faire des recherches pour savoir comment se fait. Quand on dit le calcul de type Segui, tu dois faire un petit peu de recherche pour savoir. Nar, ça peut être un énoncé plutôt. C'est-à-dire l'énoncé que tu ne trouves pas dans le. Des détails que tu ne trouves pas dans l'énoncé de l'exercice ni, ce sont des détails que toi tu connais, même le calcul de l'unité fondamentale. D'accord? Mais ce n'est pas toujours évident sur le coup, il faut écrire, c'est-à-dire des étapes, le pseudo-code. D'accord? Il faut commencer par le boîtier, les entrées et sorties, puis il faut faire le pseudo-code. Une période, tu le traduis en étapes. Après, tu fais des tests pour voir ce qui est les cas possibles. Okay. D'après, il a un énoncé qui est là, il te donne les étapes. Tu fais ça, puis ça, puis ça. Il a un énoncé, même s'il ne te donne pas les étapes, c'est très évident. Okay, la somme de deux nombres. La somme de deux nombres. Il te donne deux nombres. L'espace ni, je le fais avant la virgule, avant le comma, avant l'apostrophe aiguë pour garder l'espace entre la valeur ni entre la somme ni ou le message ni. D'accord? Donc, là, je déclare var. Donc, ça, c'est Guinée. Quand j'exécute, et donner donné de nombre, ma 4, 5, la somme est Guinée, c'est 9. Cela, c'est qui par rapport à l'ordre d'instruction? Est-ce qu'il va donner de nombre en bas de ce cas-là, mais l'utilisateur dit de nombre en ligne? Non, il va ce cas-là, mais de nombre parce qu'un signe donné de nombre. C'est Guinée. La somme INF est donnée dans l'ombre de la somme INF. C'est-à-dire que ça n'influence pas sur le résultat, mais c'est-à-dire déjà, Wiginkini, je peux supprimer. Okay. Je peux supprimer le code à Guinée et plutôt l'affichage à Guinée et le code va marcher. Donc, Wiginkini sera la même cause à Guinée. Il y a déjà Asselin,
Pourquoi? C'est par rapport à l'utilisateur. Chaque année sur NetBlick, la première des choses, c'est communiquer avec l'utilisateur. Et NetBlick aussi, nous connaît la console qui est en train de l'interface NetBlick dans des pages web. Car dans une page web, il y a bienvenue, il y a des choses comme ça. Donc, il faut toujours penser à soigner la présentation à l'utilisateur. Donc, il y a bonjour. Donc, le message, par exemple, il est plutôt, il n'est pas indispensable parce que je vais voir directement le fanny, mais pour le message, il est sur la présentation de la page initiale et l'utilisateur lui fait bien la chaîne. Il faut lui faire le message again. D'accord? Donc, je vais vous donner ici par exemple la somme à gagner i de s ou soit a plus b. On va mettre la somme à gagner s. Je vais vous donner la même chose. Le programme ne va pas changer de résultat. D'accord? Il ne va pas changer de résultat. Donc, le fait de faire ça. Puis de l'afficher comme ça. Okay, ce n'est pas pour l'utilisateur, c'est pour le programmeur lui-même. Attends, quand tu fais un programme, donc vous voyez, c'est un petit programme. Même si il y a des ans, ça va oublier qu'il y a même la somme. Mais c'est juste une façon de présenter le programme. Attends, il te faut des codes, et ça a plus de 100 lignes, plus de 1000 lignes. Donc, il vaut mieux adopter cette façon d'écrire. Et vous voyez, quand tu revois ton code, tu as de mixer différemment des choses qui se passent. D'accord? Donc, la guinée de quelque chose parfois n'est pas nécessaire, mais parfois elle est indispensable. C'est-à-dire, cela, la guinée, genre, la guinée, juste un petit exemple pour la somme. Parfois, ils m'avaient dit, c'est un exercice. Il faut demander à l'utilisateur, il faut écrire des messages à l'utilisateur, il sait vraiment là, parce que c'est la guinée, je crois que c'est un programme qui calcule la somme, donc ils ont l'utilisateur à peu près, mais qu'il aura des nombres, d'accord. Donc, si, c'est-à-dire, normalement, le programmeur, dès que je les ai enseignés, c'est l'utilisateur, il fait très très bien. Donc, même si le programme dit le message à guinée, le message à guinée, il est indispensable, il y aura l'indispensable. Si tu veux écrire un bon code. Okay. Donc, il y a somme de deux nombres. Le affichage de l'âge et de nom de l'utilisateur. Il affiche l'âge et le nom de l'utilisateur en net public. Si vous voulez un problème. Le boîtier. On a les étapes que vous connaissez les infos. Donc, on a gagné les entrées d'achat, ça c'est le l'âge. Ça c'est le nom. L'entrée d'achat a été affichée. A été affichée l'âge né. Au cas le nom. Donc, ça c'est gagné. L'âge au cas le nom. Est-ce que vraiment ce sont. Ce sont des entrées, mais indépendantes. C'est ça. Regardez le traitement, c'est-à-dire le traitement dans ce cas, c'est l'affichage BDK-Guinir, c'est-à-dire d'autres choses, d'autres messages. D'accord? Donc, si Guinir connaît l'âge et le nom de l'utilisateur, le programme ne peut pas le savoir. D'accord? Donc, il faut lui demander à se demander. S'il vous plaît, donnez votre âge. C'est là, par exemple, la guinée, c'est plus que indispensable de signer de l'âge à part si vous avez le nom parce que le connaissez, ça va être le message, le premier ou le deuxième, ou il sera rare à l'utilisateur. Est-ce qu'il dit une chaîne de caractère plutôt? Est-ce qu'il dit un texte qui représente son nom? Là, il dit un entier qui va représenter. Son prénom, plutôt, c'est son âge. D'accord? Donc, la guinée, elle aura des messages indispensables. S'il vous plaît, donnez
Autre, non. Là, par exemple, les questions, les dans les fichiers, je fais Wagin Zero, en bas d'appareil. Je qu'est-ce qui va se faire avec le line. Ok, là. C'est une kinia. Ensuite, c'est demander là, je parle le nom. Genre, ça va pas changer les programmes. Mais question d'esthétique, c'est-à-dire un pied de nerf, la présentation, enfin, plutôt la présentation pour l'utilisateur, ils vont mieux se demander c'est quoi votre nom, on va tester c'est quoi votre âge, d'accord? Donc ça, on dans l'objectif du programme, donc les conditionnels, pseudo-code, c'est-à-dire sur les commentaires, on va demander à l'utilisateur son nom, on récupère son nom, on lui demande son âge, on récupère son âge, puis on affiche son nom et son âge. Right là, votre nom. Et 1,9 et votre âge et 2 points âge. Votre nom, votre âge, voilà. Votre nom est Nassera, votre âge est 31, si vous voulez, ça lance avec un S. Je vais faire un cheval. Il va en être 4 moins 8 là. 4 moins 8 là. 4 moins 8 là. Je vais donner à des fins plus claires. Voilà. À des fins, les messages très clairs. D'accord? C'est par exemple le guide en éthique détermine le signe du nombre. Détermine le signe du nombre. Le guide du boîtier des choses. Est-ce qu'un anti-n. Le traitement des choses. Le traitement. Avec des est-ce qu'il est. Donc, la sortie, c'est un message. Soit il est positif. Soit il est négatif. Soit il est nul. Donc, l'entier garden d'être dénoué. La personne demande à l'utilisateur. Donc, la question que on pose toujours des questions. Okay. On pose des questions. N d'être dénoué, le N égale entrée égale N. C'est une demande à l'utilisateur. Donc, la guide vient de la première étape. N demandé par l'utilisateur. Le nombre n'y bah, d'après, le traitement, c'est. On va faire des tests, c'est-à-dire on va utiliser les structures conditionnelles. On va tester positif, négatif, c'est-à-dire le n est supérieur à 0 ordinaire positif. Sinon, mais il est inférieur à 0 ordinaire négatif, le dernier cas ordinaire, il est nul. Donc, oui, les tests guillou, c'est la partie traitement. On va décider de ce positif, négatif, nul, c'est. Pas grave, d'accord. L'essentiel c'est 3K à cette demande, K à part, éliminé K par K. C'est le RZN, if supérieur à 0. Donc, en tout cas, le traitement est donc fixé à ce que vous voulez. Votre ma RZN inférieur à 0. Donc, ça fait qu'il sort le traitement est donc qu'il sort 2K. Donc, il y a un niveau entre ma K, RZN, bien ma if, sinon, dès qu'il est nul. Comme je m'en c'est négatif, positif, nul. Comme je m'en devais c'est nul, pas positif ou pas négatif. Donc, l'ordre des tests à gagner, c'est pas. On peut le faire comme on veut. D'accord? L'essentiel, c'est d'éliminer cas par cas. D'accord? Donc. J'ai oublié aussi. Quand on dessine que les entrées et que les sorties, on se pose. Chaque fois, il faut mettre à côté des chul types. Les entrées, les chul types, les sorties. D'accord? Pour ne pas se perdre. En bas, il écrit un programme qui interroge l'utilisateur son âge, puis lui informe s'il peut visualiser un contenu web donné ou pas. Donc, c'est ici on dessine le boîtier. L'entrée, c'est l'âge. La sortie, il affiche un message. Soit il affiche, tu peux accéder au contenu, soit tu ne peux pas accéder au contenu. Après, le traitement, l'âge. Le traitement, c'est le test. Je teste l'âge, netblick. On suppose qu'il y en a qui ont le contenu, c'est-à-dire par exemple, une clinique, c'est un 10 ans, mais, par exemple YouTube, les films d'horreur, il y a des choses qui sont
qui sont pas que les enfants ont moins de 10 ans ne peuvent pas voir. D'accord? Donc, autrement, si l'âge est supérieur ou égal à 10 ans, sinon, voilà, vous pouvez accéder au contenu. Sinon, vous ne pouvez pas accéder au contenu. Donc, c'est la partie traitement, vous pouvez tout dans le boîtier, et quand on fait les tests, c'est la partie traitement. La Guinée calcule la moyenne d'un étudiant dans l'unité fondamentale. La Guinée, si la netblick, c'est le typni de l'énoncé. La Guinée, il nous est familier, par exemple l'équation, ça nous est familier, mais l'équation, on a fait des étapes. Mais l'unité fondamentale, les gens, on a calculé, on a calculé la moyenne, des fois, du moment qu'ils n'appliquent pas le système LMD à la lettre, donc on tolère généralement, c'est l'unité fondamentale, l'essentiel, modules, d'accord? Donc, en réalité, ce sont des choses inzara, mais on ne fait pas attention à ça, d'accord? Donc, nous connaissons là, la première des choses. La chaleur de dessiner le point ténina. Chaleur 9 qui ont montré le point ténina. La guitare, on pose des questions. M. calculer une unité fondamentale. La moyenne d'une unité fondamentale, je suis une unité fondamentale. C'est un ensemble de modules. Le premier module, algo. Le deuxième module, analyse. Le troisième module, algèbre. Ok. Donc, M. calculer l'unité fondamentale. Déjà, chaque module, c'est un coefficient. Il y en a, c'est 4. Parce que je ne sais pas vos coefficients, mais je pense que c'est comme ça. Algèbre 3, analyse 3. Je ne sais pas ce que c'est 4 analyses. Mais bon, on va supposer que c'est ça. Donc, on va essayer de faire le relégué manuellement. Ok? Donc, ça a des modules. Chaque module, ça a. Et ça a le coefficient INUS. On va d'après l'étudiant, chaque module, ça a la note. Chaque module, ça a des notes. Par exemple, on a 10, 12. Regarde, par exemple, 10. Donc, la moyenne de l'unité fondamentale, c'est que 10 fois 4, plus 12 fois 3, plus 10 fois 3. Le tout, je vais le diviser par le nombre de coefficients. 4, 3 plus 3, c'est 6, plus 4, c'est 10. Donc, je divise par 10. Je connais d'abord la gagner. Je divise par 10. Donc, qu'est-ce que nous faire d'un calcul? J'ai posé des questions, j'ai trouvé des réponses. Donc, c'est avec ici, on veut faire comme un programme. Je commence soit je veux dire, je le calcul Nino. La note fois 4. Donc, des choses, mais là, je le programme, c'est demander à l'utilisateur. Je vais regarder l'analyse, algo, ça a 4. Analyse ça 3, algèbre ça c'est ça, donc oui, c'est pas la peine de le demander à l'utilisateur, ce sont pas des entrées, donc je demande à l'utilisateur, il dit les notes, donc il dit les notes INUS, je fais le traitement, c'est-à-dire entre mon quoi, il faut 4 pour les notes INUS, on va d'après, je le divise, ce sera la moyenne. Sur les guinées, les messages NINO que je vais. Les messages n'allaient il a qu'à à qui mettre le nom que l'âge. Il faut spécifier. Donc, c'est un right name. On est la note de algo. Supposons vraiment qu'il la note algo, c'est ma la variable de on va tester un right name. On est la note. Voilà, algèbre, ma note analyse. Voilà, et qu'est-ce que vous regardez? Pardon, je me suis arrêté de vidéo de line. Et de line, et qu'est-ce que vous regardez? Maintenant, algèbre. Regardez. Maintenant, analyse. Voilà. Donc, en entrée, c'est la note égale synthétique à la bikini dans ton courrier. Ok. Voilà. Donc, il dit que les notes égales, on va d'abord une question.
Apprends-moi une formule, sommaire moyen. Calcule sommaire moyen. Reçoit quoi? Reçoit notre algo. Algo fois 4 plus algèbre. Maintenant, les deux plus analyse et gagne. Les deux sont marqués les parenthèses. À 3. Voilà. On va d'après avec 4 mains la parenthèse de gagne. La parenthèse de gagne pour faire la division niveau entier. Comment sur 10. La question est de fin. La moyenne et la moyenne équipe, bien sûr, je vais la déclarer aussi comme réelle. D'accord? Donc, c'est genre, j'ai fait une étude rapide. Une étude rapide, je pose la question, comment encore Guinée, je pose les questions, faire des notes des voitures et tout. Voilà. Si on relit l'exercice, Netflix, c'est un étudiant en MI. D'accord? C'est un étudiant en MI, par exemple, de l'université MMTO, patate patata. Donc, la Guinée. J'ai loupé un truc. Au lieu de suggérer, c'est-à-dire de poser, de faire l'hypothèse que Zarir des choses dans les modules plutôt. Zarir va choisir les modules, Zarir va choisir les confessions. Je vais intégrer, c'est-à-dire de chaque année, il y aura le calculé qui pour tous les étudiants. Ma chikina la MI, ma chasrama, adhernour, une étape, une entrée, où est-ce que je demande à l'étudiant, il dit qu'un module et son coefficient. Les guissoula, on n'est pas obligé de dire un mot de choses, mais le nom de module. Vous voyez que le nom de module est calculé. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de demander le nom des modules. Donc, les guignes, au lieu de ma chikina, la première étape, on a vous voyez donc les lignes, plus que vous améliorez votre exercice, plus qu'il est plus général, plus efficace. Donc les lignes, avec les assigner, donner une note d'un module. Du module. N1, par exemple, ça se met N1. Après, la question est en ligne. On va chaque fois qu'il devrait écrire. La question est en ligne. On va c'est un délire. Voilà. Bah, d'après Aknikan, c'est un Ashhal. Déjà, si on ne sait pas Ashhal, il dit là une autre chose. C'est pour ça que l'étude est la première étude à gagner. C'est l'étude essentielle parce que nous connaissons bien les blocs qu'on va faire une calcul unité fondamentale pour les étudiants de MI. Donc, il s'agit de ça. C'est-à-dire, les mots du Nielsen, c'est les confessions, c'est une unité fondamentale, donc on va juste lui demander les notes. Donc, c'est juste un étudiant de MI, elle est sur le même programme, les précédents, directement, je dis que la moyenne. Mais si vous voulez, ils ne nous ont pas spécifié que c'est un étudiant de MI, donc elle a de l'étude. Donc, la chute de l'étude, c'est qu'il a quand même demandé une note d'un module, une note, hein, elle m'a demandé des choses. Le confession ins. D'accord? Ben ici, l'unité fondamentale, on dirait est-ce que garde les unités fondamentales, ça a 3 modules. Donc, est-ce par exemple RDUFC, HL, les modules qui viennent par exemple qu'on ait DNS 5, ou de c'est-à-dire que c'est de gagner. Voilà, le coup il y a 5 modules qui viennent, je vais faire ça. Ça sera vraiment une boucle for. La main for i allant de 1 to n, to 5. Donc, mais je vais lui demander d'if que c'est
Pareil, de même. Dormez le membre des mendus. Voilà. Donc, si vous avez une situation qui vous est familière, mais on ne vous a pas précisé exactement la chose qu'il y a dans votre DNA, il faut étudier tous les cas. Donc, vous allez donner le nombre de mendus, comment vous allez être là. Et le chercher dans la vie, comment vous allez aller de 1 jusqu'à N. On va taper avec une idée, du moment qu'ordinaire affiche ses éléments du univers à la fin, dans les coefficients univers à la fin, ça fait une hauteur de sauvegarder, avec un net qu'on sauvegarde pour une réutilisation ultérieure. Donc, avec une idée, on va donner une note du module, donner le coefficient, et une idée, on va donner une note du module. Voilà, ça va être bien. Ok. Donc, il y a du moment que la boucle qui lance à temps, c'est un instrument bigger. Voilà, on va trouver une meilleure. Voilà. On va dans ce nom de Guinée donner une note du module. Commencer. On va d'après donner son confession plutôt. On va d'après avec Guinée donner son coefficient sera ainsi. On va d'après avec Guinée au lieu de la moyenne que je vais la calculer vers la fin, mais de toute façon, ma chèque est assez de calculer, c'est-à-dire les variables d'aide, ce qui c'est ça. Donc, la Guinée, c'est vers la moyenne, c'est vers la somme, plutôt, c'est vers le module, c'est vers le coefficient. Donc, la Guinée, c'est ma S, parce qu'en réalité, c'est la somme en fait de ma module égale fois coefficient égale plus module égale fois coefficient égale plus module égale fois coefficient égale Guinée. Donc, c'est une somme à redemain. Donc, si vous avez gagné, module fois coefficient. Donc, à chaque fois, vous dites quel module fois coefficient, comment module fois coefficient, c'est à nous à la somme, on va admettre que vous avez la boucle de cœur, comment moyenne reçoit. Donc, c'est la somme divisée par le nombre de modules. C'est pas le nombre de modules. D'accord, dans les fiches. Je dois sauvegarder le choix parce que c'est pas le sur le nombre de modules, c'est parce que l'unité fondamentale, c'est pas l'unité, c'est pas la moyenne générale, d'accord. Donc le guiné houedja mcnis guiné guiné guiné, alors c'est la chose divisée par 10, n'est-ce pas? Donc le guiné cela il a crié. Il a créé un compteur qui va calculer le nombre de coefficients. À chaque fois, il dit qu'il y a un coefficient. Ce n'est pas le nombre de coefficients, c'est la somme des coefficients. Car dans le compte du nombre de coefficients, c'est peut-être plus 1. Voilà. Ce n'est pas le nombre de coefficients ouvriers. Ouvriers, la somme des coefficients, donc 4 plus 6. Donc, il est vers la fin. Quand je sors de la boucle, il y a une calculeur de chaque module que je mets à chaque fois, non. Donc, ça fait ça, on va yok, on a connu des fois avec une 10 fois 4 plus 12 fois 3 plus. On va d'abord, je le divise sur la somme des coefficients et gagnants. Donc, là, on va diviser sur 6 pt. Bien sûr, je ne vais pas oublier de déclarer les variables d'ag. D'accord. Vous devez déclarer les variables d'ag. Donc, 6. Voilà. Calculer la moyenne d'ag, c'est une seule ligne. Donc, il y a des informations qu'on connaît. D'accord. On va d'après si on ne spécifie pas. C'est pour ça que je vous ai dit que d'ag est la partie d'ag. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Je connais la forme des choses entre les entrées, des choses entre les sorties. La partie traitement est guide forwards. Ok? Même l'ordre en lien diffère logique, donc tu n'as pas à te poser la question sur l'ordre. On va d'après les guides, on va le type des énoncés, c'est-à-dire les détails, ce n'est pas familier pour nous. Donc, calcul de type, ce n'est pas qu'on va faire une recherche, le schéma type, c'est pour boire. Ok?
bah d'après ça, on pose la question. Par exemple, tu es dans un restaurant, tu es dans un mécanisme, tu es dans un restaurant, tu es dans un pourboire. Donc, tu es dans un pourboire, mais une dernière dans les mots, les pourboires, c'est les restaurants qui les spécifient. Voilà, c'est les restaurants qui les spécifient. Donc, on est d'accord d'en une version simple. Une version simple, c'est-à-dire que les tips n'y ont. Mathis, par exemple, mais il est déjà un plan de 50 000 fois 50 000, mais il est déjà un plan de 100 000 fois 50 000, non, chez 9, c'est donc les tips n'y ont, genre le. Elle est vacante. Bon, elle est un pourcentage. Il faut décider dès le début sur un pourcentage. Ok? Je crois que ce n'est pas à toi de faire. Donc, c'est une connerie de qui? Les chaises neuves, comme entrée, les chaises neuves, comme sortie. Car, c'est vrai, on peut se poser des questions. Est-ce que là, vous avez, supposons que toi, tu es un programmeur, on va être dans l'application pour un restaurant, et on est un restaurateur. On va toucher les questions à se poser. Les questions à se poser, on va se poser le pourcentage. On va essayer de calculer, on va essayer de calculer. D'accord? Donc, la Guinée, j'ai préparé les questions à la Guinée. Donc, le net de la Guinée, même sur quelque chose qui nous est familier, mais ça, c'est mieux. Donc, il est facile de faire les étapes, même si vous voulez faire l'énoncé. Dans l'énoncé, ça, les étapes, c'est bien. Mais il y a un exercice très, très simple, les étapes, même si vous voulez faire l'énoncé. Maintenant, il y a un exercice avec des étapes qui nous était pas plutôt avec un sujet qui nous est familier, mais on doit poser des questions parce que on veut pas tomber dans un particulier aussi spécifique. On va dire le cas guinéen, le cas guinéen, c'est le cas le plus dur dès que une situation, ça va exactement, c'est-à-dire tu dois te casser la tête pour trouver des étapes, pour trouver des étapes. Donc tu penses, tu commences par poser des questions, mais te poser des questions, les réponses n'y Je me donc la réponse non, souvent de l'achat, souvent l'énoncé de l'exercice, etc. Souvent les étapes, d'accord? Donc, bien la guide les tips ni j'ai préparé les questions ni. C'est par exemple le restaurateur ni. Quelle formule souhaitez-vous utiliser? C'est bien si ça vous rendez calculer les tips. Pouvez-vous expliquer comment le pourboire doit être calculé? Qui est le pourcentage de pourboire? C'est-à-dire est-ce que les pourcentages de pourboire, si tu n'es pas le restaurateur, l'application, est-ce que Zama qui demande le pourcentage, c'est vrai? Non, à titre fondé, le pourcentage, c'est déjà dans le programme, si on n'a qu'un sujet à ce calcul. Ça fait Zagi, est-ce que le pourcentage de pourboire, est-ce que, quel est le pourcentage de pourboire? Est-ce que c'est 15%? L'utilisateur devrait-il pouvoir le modifier? L'utilisateur, c'est le restaurateur. Pas que doit afficher le programme. Déjà, il dit afficher la pensée, c'est dans le coin d'ailleurs, parce que, à des images, il dit, c'est une application web. Déjà, il dit afficher à l'écran lorsqu'il commence. C'est dans le cas de la Pas que doit afficher le programme pour sa sortie. Déjà, il dit que vers la fin. Est-ce qu'il dit afficher le pourboire lien au coût du total? Ou tout simplement le total, c'est-à-dire dans le total égné, mais tu dis une égné soit le plan, c'est le poids, le plat plus le pourboire. D'accord? Total, c'est plat plus le coût de plat, c'est-à-dire la facture nette de plat plus le pourboire. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer Blake à l'entrée, plutôt à l'entrée de la consommation, c'est la page d'imagerie, c'est la page web. Okay. Non, c'est la page plutôt, pardon. C'est la page de l'application qui est le restaurateur. Donc, vous avez par exemple dit que c'est bonjour. Donc, on va afficher un message par derrière. On va d'abord se ligner. Je vais commencer à se ligner. C'est déjà que soit le planning. D'accord. On va des choses, le montant de la facture. C'est déjà le montant de la facture. On va dire que le montant, c'est une chose, je vais le pourcentage de voir que c'est 10. Par exemple, il dit 15%. Ça va chercher le montant. On va faire comme ça par achat. Après, c'est à la mi-1. Après, c'est à la mi-1. Et d'yufk, achal tips ni. Par exemple, par exemple 30 dinars, on a 30 dollars, faire 30 dollars, pas chèrement. Par exemple, le billet ni noir, il est 300 dollars, à faire. Donc, ça fait 300 dollars ni, c'est-à-dire
La facture, les gars, je suis allé 300 $, ça nous 30 $. Ça fait sinon, voilà, le client est il va payer 330 $. D'accord? Donc, les guignols, c'est comme si le client est déjà un énoncé. Donc, écrire un simple calculateur de pourboire. Le programme devrait demander le montant initial de la facture et le pourcentage de pourboire. Le programme doit calculer le pourboire, puis afficher à la fois le pourboire et le montant total. Donc, après avoir posé des questions, il faut que les réponses soient bien lancées. Donc, je vais dessiner le boîtier. Donc, est-ce que le montant, est-ce que le pourcentage de tips, il va faire le calcul. Après, il dit afficher le total au coût des tips. D'accord? Donc, c'est le guinée. Mais ça, les étapes. Donc, les étapes dans la chaussette. Entre le pseudocode 1, c'est demander le montant de la facture. Bah, la deuxième étape de la chute. Demander pourquoi. Pourcentage de pourquoi. La troisième étape de la chute. Calculer les montants. Alors, calculer le pourquoi. Calculer le calculer le total et 5 5 choses c'est afficher le total et le voilà donc c'est le pseudo coordonnées donc les entrées sorties des choses ça les entrées ça les montants, ça pourcentage de pourboire, ça les pourboires sortis au coût le total. Ok, c'est une de type réel. Une de type réel. D'accord? Donc, vous avez la première étape, demander le montant de la facture. Donc, un premier message. Donc, je vais lire on va demander le pourcentage. Non. D'après, on commence par les calculs. Donc, ça qui va pour 3. Non. Pour 3, c'est le montant. Enfin, pourcentage. On va mettre la parenthèse. Les états sont calculer le total des choses, total en soi, je savais qu'il soit le plané par exemple, c'est un montant,
menton. Donc c'est menton. Je vais pas avoir plus. Et donc on va l'afficher. Avec les. En même temps. Mais pourquoi? Et. On a traduit le pseudocode. Donc dans les montants de la facture, on a par exemple 1200 dollars dans un restaurant. Et pour pouvoir, le pourcentage de pour pouvoir obtenir 10%, pour pouvoir et donc de gagner un multiplicant dans l'utilisation des réels, il faut spécifier. Voilà, il faut spécifier, mais il faut spécifier le chalet qu'il aime. Chalet est affiché en total, vers est affiché 3. On va d'apparaître après la virgule 2. Ok. Donc, 9200. Et pour ça, voilà. Vous voyez, le port pour acquérir, c'est 120. Donc, mais les 1200 dinars, 10%, donc ça fait c'est 12 000. Donc, le total, c'est 100. J'ai pas modifié même le total de l'extrême. Oh, je pense que la galère, ça m'a 4. Ça m'a 2 après la virgule. Voilà. 1200. Le pourcentage des pourcents. Donc le pourvoir est 120. Le total, c'est 1320. Donc, vous voyez, c'est ça. Mieux, c'est la dynamique que je gère. D'accord? Donc, vous voyez, c'est le code. C'est la date où est-ce que j'ai traduit le pseudo-code, je l'ai traduit en code version 1. On va d'après les guillemets, je vais faire des tests particuliers. Les tests particuliers. Donc les tests, bon, on ne va pas approfondir un test des tests. On vous met déjà la première fois que j'ai affiché le port pour récupérer le total, c'est comme si j'ai fait un test. Parce que il remet des trucs là après la virgule et le là, donc spécifiera des clients à la fin sur trois chiffres pour le pourquoi, parce qu'on se posait des liens inférieurs à son pourquoi, juste comme ça. On va taper les déguisés sur les deux chiffres après la virgule, mais les clients des mails sur quatre chiffres, les sur deux chiffres après la virgule. Donc, je me rends. Nous avons gagné par exemple. Je vais me tester dans le lit. C'est-à-dire, généralement, les tests qu'on fait, par exemple, quand on demande à un utilisateur de faire une valeur dans un intervalle, on va d'après, il ne respecte pas l'intervalle. Mais... qui fait par exemple le pourcentage à gagner. Un pourcentage, il est censé varier entre, je sais pas, entre 0 et... Notamment 0, donc il est vrai, c'est qu'il a donné le pourcentage, donc il faut déjà le calculer ici. Mais bon, entre 1, non, je sais pas, entre 10%, par exemple, les mains des spécifiques, des guinées, signer, et pour régler, en fait, il faut entre 10%, et que 100%. Donc, mais il est qu'il de 80 conditions, mais il faut de... mais il est supérieur, mais il est inférieur à 10%, non, supérieur à 100%, c'est-à-dire mais il est inférieur à 10 ou
supérieur à 100, vous êtes bien plus que saisir un pourcentage valide. Voilà, donc le guide teste un peu à chaque fois. Donc, visite un paquet de petites versions, même les cas particuliers. C'est-à-dire, oui, les livres, c'est des cas particuliers. D'accord? Donc, c'est tout ça pour l'ordre des instructions. Donc, on va essayer de faire après une autre vidéo sur les boucles. Bon, c'est pas sur les types de boucles, c'est juste pour le fait de réfléchir à utiliser une boucle. Ok, donc, à plus.